En cette journée internationale de la non-violence, je vous propose de méditer une phrase de Nietzsche. La voici. Voir souffrir fait du bien. Faire souffrir, plus de bien encore. C'est une dure vérité, mais une vieille, puissante, capitale vérité humaine, trop humaine. Alors il est difficile de ne pas admirer les fondateurs, les créateurs des pratiques de la non-violence. Je pense à Gandhi, bien sûr, à Lanza del Vasto en particulier. Comment ne pas les rejoindre dans l'idée d'éradiquer cette violence qui a semé la mort depuis l'aube de l'humanité? Mais on peut se poser la question de savoir si leur projet n'est pas en contradiction avec ce qui est inscrit au plus profond de la nature humaine. C'est la question que Nietzsche amène à nous poser, c'est la question dont je voudrais m'emparer ce matin. Dans sa passionnante étude « La généalogie de la morale », l'un de ses livres les plus puissants et les plus difficiles à interpréter, Nietzsche se livre à une véritable généalogie en fait, de l'agressivité. Pourquoi l'homme est-il cet animal à ce point agressif? Pour Nietzsche, il n'y a pas de violence à proprement parler au sein de la nature. Il anticipe ce que dira au XXe siècle l'éthologue Konrad Lorenz, dont le livre « L'agression » est à mes yeux l'un des plus grands livres du XXe siècle. L'animal agresse pour survivre et il stoppe son agression sitôt qu'il a atteint son objectif. L'homme sur ce plan est un animal absolument atypique. Il agresse pour le plaisir d'agresser, il continue son agression bien au-delà des exigences de la survie. Alors pourquoi cette originalité de l'être humain? Konrad Lorenz, au XXe siècle, explique cette différence par le fait que la nature a oublié, entre guillemets, de doter l'homme de tous les mécanismes d'inhibition dont elle a doté les animaux. Les animaux sont dotés de mécanismes d'inhibition qui limitent leur agressivité aux nécessités de la survie. L'homme n'est pas doté de ces mécanismes. C'est donc le seul animal qui agresse pour le plaisir d'agresser, qui poursuit son agression bien au-delà des exigences de la survie. Alors, pourquoi cette différence? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique, au fond, cette originalité? Y aurait-il, au fond de l'homme, une sorte de sadisme indéracinable? Telle n'est pas, en fait, l'hypothèse de Nietzsche. Pour Nietzsche, ce qui rend possible cette agressivité, c'est la conscience dont l'homme est doté. L'homme est le seul animal, au fond, qui se met à la place des autres et qui donc peut ressentir d'une certaine manière ce qu'éprouve autrui quand autrui est sa victime. L'hypothèse de Nietzsche donc complète d'une certaine manière celle de Konrad Lorenz. Nietzsche reprend, sans le savoir, une hypothèse de son prédécesseur Jean-Jacques Rousseau. J'ai toujours regretté personnellement, et je crois vous l'avoir déjà dit, que Nietzsche n'ait pas lu Rousseau. Dans ses premiers écrits, Rousseau explique que cette capacité que nous avons de nous mettre à la place des autres explique à la fois la compassion et le sadisme, les deux, qui sont inséparables d'une certaine manière. C'est parce que je suis capable d'imaginer ce que l'autre ressent que je peux soit éprouver de la compassion à son égard, soit jouir de son malheur et de sa souffrance, comme Nietzsche l'exprime dans la citation que je commente ce matin. Ainsi, Nietzsche réapproprie Rousseau. Alors, s'il est vrai que l'homme a cette capacité, s'il est vrai que c'est la même faculté de compréhension, la même faculté qui nous permet de nous mettre à la place des autres, qui explique à la fois la compassion et le sadisme, vouloir éradiquer totalement la violence est sans doute un projet vain et peut-être même dangereux. Éradiquer totalement cette violence, ce serait en même temps rendre impossible chez l'homme la compassion, qui est quand même l'une de ses grandes caractéristiques. Il faudrait donc renoncer à ce projet. Les adeptes de la non-violence ignorent ce facteur fondamental et c'est sans doute ce qui rend leur projet probablement illusoire.